c'est ceci qui s'est enlevé. Donc, là, j'ai nettoyé avant de recoller. C'est quand même scandaleux. Pour le prix où on paye les VSP, qu'au bout de 2 ans, ça tous décolle. L'année passée, j'avais recollé ici, de ce côté-là, le côté conducteur au Cicaflex, et c'est encore en train de foutre le camp, là. Mais là, j'attends que ça se décolle complètement pour le refaire, parce que là... Et en fait, le côté qui avait été fracturé, avec la table de fraction, c'est ce côté-là, qui se décolle aussi, donc je vais recoller. Je vais le faire à la néoprène, hein. Je vais bien nettoyer d'abord et puis je vais le faire à la néoprène. C'est terrible ça. Je veux bien que les VSP vibrent énormément, mais quand même. Même le Cicaflex ne colle pas. En fait, quand je dis c'est scandaleux, c'est vraiment dégueulasse parce que voilà. Même ça en dessous, ça fiche le camp. Donc là, pour le moment, j'ai mis de la néoprène, je laisse un peu sécher, et puis je collerai après. C'est vraiment dégueulasse. On vous fait payer 14 000 boules une VSP, et au bout de 2 ans, tout se déglaque. Allez, on presse bien. Retest jour 3 et aucune fuite. Ah, tu peux arrêter, hein. Recharger la batterie 49. Bon, alors, comme je me suis trompé, j'ai décalé bien trop. Ce que je vais faire, c'est enlever celui-là, le côté mâle, et le déplacer pour le mettre ici. Bon ben, il n'y a plus qu'un. Voilà, j'ai essayé de défaire là, mais ça aurait fait trop de dégâts. On pose la petite rondelle. On fait 2 traits avec le stylo. Voilà. J'ai fait 2 petites incisions. Le tissu, et maintenant j'aurai plus qu'à prendre l'embout mâle et le glisser dedans. Ensuite, mettre la rondelle et avec une pince aplatir les 2 petites languettes en métal. Voilà, j'ai passé les 2 petites languettes à travers le tissu. Donc je mets la rondelle en aluminium et puis après je vais donc écarter les pattes pour pouvoir serrer. Je vous montrerai ça après parce que c'est pas facile de faire ça à une main. Je vous reprends tout de suite. Et voilà le travail. Bon. Rien n'est adapté au VSP. Tous ces petits trucs là, eh ben, il faut se démerder parce qu'il n'y a rien pour les VSP. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est là où il y a les trous pour faire passer les ventouses. Et en fait, j'ai fermé parce que moi, je n'aime pas le système des ventouses, ça tient pas. Hop. Ce n'est pas évident dans un petit espace. Comme il semblerait qu'il va faire froid là-bas, au lac. Les prévisions météo, donc je mets un drap plus
ma couette. C'est tout prêt, c'est tout beau. Une belle chose faite. Voilà, un petit lit bien fait. Donc, comme je disais hier, voilà, pour avoir accès à l'intérieur du tiroir glissant pour que je puisse faire à manger s'il pleut. Bon, là, c'est un peu le bazar parce que j'ai rangé tout en vitesse. En fait, il y a les casseroles, la petite bouilloire, les torchons, un petit gâteau, ça c'est le tuyau d'eau. Dans l'évier, j'ai encore mis des trucs. Voilà. Donc, s'il fait froid, je peux faire ma popote en mettant le réchaud ici. Et quand j'en ai plus besoin, hop, on referme. Et on remet le petit coussin pour la journée. Et voilà, je m'assieds comme ça. Là, c'est le drone, la batterie, enfin tout ce qui est technique. La bonbonne de gaz pour faire fonctionner le réchaud. Et en fait, assise donc sur mon caisson, ça, eh bien, ça me permet de manger un petit peu dessus, de poser téléphone, boisson, enfin bref, pour la soirée. Ah, je suis pas obligée de mettre des élastiques, ça tient. Et là, tout en bas, donc, comme d'habitude, hein, hop là, ça c'est tout ce qui est technique. Ce qui est pour cahouette et puis tous les nettoyants et une petite trousse pour la lessive. Il y a un bidon de réserve en carburant, hein, diesel, et ça c'est la batterie auxiliaire pour la dashboard. Voilà, il y a un panneau solaire que je prends avec moi pour recharger la batterie. Alors voilà le garde-manger, donc le sac à légumes, le sac à patates là plutôt, pour la petite semaine. Je referme et en fait je ferme d'un côté et je ferme de l'autre aussi. Ensuite, pour éviter que ça s'ouvre, hop, un petit crochet, un élastique. En haut et en bas, et hop, et voilà. Voilà, sur le lit j'ai déposé les volets thermiques. Ah ben, il y en a encore un, tiens. Hop, et voilà. Pour partir demain, je vais mettre un frigo, un tout petit frigo. C'est même pas un frigo à compression, c'est un mini frigo pour conserver quelques babioles au frais, sans plus quoi. S'il avait fait plus chaud, j'aurais sûrement pris ma glacière à compression. Voilà, la micaouette. Voilà. J'ai rempli en dessous du lit. Alors là-bas, la tente Décathlon pour une douche, mais c'est pas pour la douche, c'est surtout pour mettre ma toilette sèche dedans. Il y a un repose-pied, il y a un petit sac pour de l'eau. J'ai mis un coussin entre le coffre du candle stove et ici pour que ça tape pas quand je roule ou quand je tourne. Alors, de ce côté-là, il y a la réserve pour les ferraux. C'est important ça. Et là, donc,
petit lacure pour les toilettes sèches. J'ai plus qu'à tirer et à fermer les portes. Voilà, cahouette bien chargée. Hein. Donc, ben voilà, sous le siège à Lydie, j'ai donc mis la petite table, un rajout pour le candle stove, c'est des réserves de cire et puis des allumettes. Là, dans la sacoche noire, c'est un petit barbecue nomade. C'est pas une question de faire un barbecue là-bas sur place, c'est simplement si on veut se faire un petit feu le soir, ben on le fait proprement. Et puis il y aura donc la place à Madame Didi. Et une fois que j'aurai rempli ses affaires, ça c'est son sac, que je mettrai ici devant elle. Ça risque rien. Le sac à Didi. Donc tout à l'heure, je mettrai les croquettes. Il y a deux petits sacs à croquettes là-dedans. Voilà, pour boire. Sa petite salle de bain personnelle, donc gants et serviettes pour Madame Didi, si jamais elle se salit. Et oui, sa petite balle. Donc là, ce sera le compartiment des croquettes. Et là, je mettrai donc la gourde d'eau pour le voyage ou même pour là-bas. Hein. Toujours la petite gourde d'eau, elle a toujours à boire. Ça, je la laisse passant. Voilà, cahouette est fin prête à partir. Encore quelques petites babioles à rentrer, ça sera demain matin. Et on pourra prendre la route, hein, Didi et moi. On a vraiment hâte. Ah!